Youpi tout le monde, c'est Obscurani, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan. Aujourd'hui les potos, je vous retrouve à nouveau pour un leak concernant Call of Duty Infinite Warfare. En effet, une image est apparue sur Twitter où un camouflage de type rare sera disponible sur les armes de Infinite Warfare. Ce camouflage serait donc un genre de Dark Matter mais de couleur principalement rouge et même personnellement un peu plus beau que le Dark Matter que nous avons actuellement sur Black Ops 3. Ça sera donc un camouflage animé, c'est-à-dire que les textures sur le camouflage bougeront. Je pense que vous savez de quoi je parle. Ce camouflage me fait beaucoup penser au camouflage Magma qui était disponible à l'achat sur Advanced Warfare. Mais ce camouflage là, s'il apparaît officiellement sur Infinite Warfare, je pense que je vais bien me péter le cul pour l'obtenir. Je suppose aussi que les coups de feu donnés seront un peu différents que les coups de feu normaux. Je dis ça car juste à côté vous pouvez apercevoir quelques balles de larmes qui sont elles aussi de couleur rouge, donc pourquoi pas avoir un autre type de coup de feu grâce à ce camouflage. J'en profite également pour vous montrer un autre camouflage qui est apparu en même temps que le camouflage que je viens de vous montrer. Il s'agit donc du camouflage de diamant qui lui aussi sera bien sûr présent. Il est vraiment très beau aussi, je pense que c'est le plus beau camouflage diamant sur Call of Duty. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais sur le côté du canon de l'arme ainsi que sur le cache flamme, il y a des gravures qui rajoutent vraiment un très beau design. Voilà les potos, c'est la fin de cette petite vidéo sur l'obscur, j'espère qu'elle vous aura plu. Mon tuteur est en description, n'hésitez pas à me follow, ça me ferait bien sûr super plaisir. Et je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté, allez ciao bye bye, peace.